Les bougies, bon, si on regarde le nom, il y a la bouse, mais pas que. Donc, ce sont des insectes coprophages, donc qui mangent les déjections, qui les détruisent, qui les enfouissent et qui donc nettoient les pâturages des déjections animales. Je continue à travailler sur les bougies depuis les années 70, donc ça fait un petit peu de temps. Et je travaille sur à la fois leur comportement, leur biogéographie, et depuis pas mal d'années, je travaille sur les effets non intentionnels des médicaments vétérinaires donnés aux animaux et qui ont des conséquences sur les bougies et d'une manière plus générale sur les écosystèmes. Dans le cadre du programme de réintroduction de Scarabaeus laticolis sur la RNN de l'étang de Cousseau avec Rewilding Europe, Cyril et Sophie, membres de l'équipe de la réserve, rejoignent Jean-Pierre Lumaret dans le sud de la France, non loin de Montpellier. Leur but est de récolter 30 couples de laticolis et de les ramener en Gironde afin qu'ils se reproduisent sur la réserve. Là-bas, la dernière observation de l'espèce remonte à 1965. On peut espérer qu'ils ont prélevé et on peut espérer qu'ils sont tombés dans le piège. En tout cas, il y a des Sisyphes qui ont travaillé parce que, vous voyez les petites boules. Plusieurs individus ont été trouvés lors de ce prélèvement. Ils rejoignent leurs congénères en attendant leur transfert. Voilà. En fait, il y a trois grandes catégories écologiques des bousiers. Bon, après, il y a des subdivisions. Il y a les insectes qui se développent, qui pondent à l'intérieur de la bouse. La deuxième catégorie, ce sont les individus fouisseurs. Ils vont creuser à l'aplomb de la bouse, à différentes profondeurs, des nids. Et dans chaque nid, il y a des galeries et ils vont enfouir des boulettes de bouse. Eh bien, la troisième grande stratégie, ça va être de prélever à la surface des morceaux de bouse, les modeler en boules et les transporter ailleurs, ça va être les bousiers rouleurs. Pourquoi c'est pertinent d'introduire dans la réserve de Cousseau cette espèce? L'espèce avait disparu tout simplement parce que les vaches n'étaient plus là. Les vaches sont à nouveau là dans un programme de réhabilitation de cette race locale. Eh bien, on reconstitue l'écosystème. Elle va aider d'une part à la disparition des bouses, mais également elle reprend sa place. La place qu'elle n'aurait pas dû perdre s'il y avait eu les vaches en continu. Donc c'est une question simplement de remettre une espèce dans le fonctionnement normal. Le temps que leur population devienne suffisante, il va se passer encore quelques décennies. Donc remettons les espèces à leur place. Les scarabées sont placés dans des boîtes pour entamer leur périple. Ils traverseront la France pour rejoindre leur nouvel habitat, la réserve naturelle nationale de l'étang de Cousseau. Donc là, on est sur la réserve naturelle de l'étang de Cousseau. On est sur la clairière où on réintroduit les scarabées laticolis. Depuis la réintroduction des vaches marines, déjà, on s'est beaucoup intéressé aux coléoptères coprophages. Et donc, jusqu'en 2022, on a réalisé des inventaires qui nous ont permis d'identifier 29 espèces sur la réserve. Mais on a vu aussi qu'il y avait des espèces historiques qui n'étaient plus présentes. On en avait plusieurs, dont Scarabaeus laticolis. On sait qu'il était présent jusque très récemment sur le littoral de Gironde, puisqu'on a des données présentes dans des collections historiques, donc c'est-à-dire qu'il y a des entomologistes qui ont fait des inventaires et qui ont prélevé certains de ces insectes. Ça, c'est vraiment très important parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui était présent historiquement sur le site. Ici, il y a vraiment un contexte très favorable pour les coléoptères coprophages, pour les bousiers. Tout d'abord, nos vaches marines sont présentes depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis surtout, ici, elles ne sont pas traitées.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement préventif et donc toute la vie qu'il va avoir autour des bouses va pouvoir se développer. Les vaches, elles vont pâturer le marais, la forêt, le sous-bois et donc elles vont avoir une action par leur herbivorie sur les milieux naturels et donc on va permettre de maintenir des milieux ouverts, que ce soit les barrains, donc ces milieux humides en forêt, que ce soit le marais, que ce soit des clairières comme on a ici. Donc c'est vraiment très intéressant. Depuis la réintroduction des vaches sur la réserve, on a tout un cortège de faune et de flore qui a réapparu. Donc, par exemple, la drosera autour des petites mares où les vaches viennent piétiner. Donc, la drosera, c'est une petite plante carnivore donc, qui a réapparu également. Voilà, on a tout un cortège de faune et de flore, dont évidemment les bousiers. On pourrait presque parler d'un écosystème bouse, parce qu'en fait, autour de la bouse, il y a toute une vie. Il y a évidemment ces coléoptères coprophages chez bousiers, mais il y a aussi des mouches qui viennent pondre dans la bouse, il y a des champignons qui se développent, il y a tout un autre cortège d'insectes, et puis même autour de ces insectes, on a des prédateurs qui vont venir. Il y a des prédateurs de ces mêmes bousiers qui vont venir. On a aussi évidemment peut-être des oiseaux qui vont venir chercher les larves de ces insectes. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui se développe en fait. Même si c'est des excréments, au final, ça fait pas peur. Hein. Faut mettre les mains dedans et regarder. Et c'est fou tout ce qu'on peut trouver de toutes les formes, de toutes les couleurs. Du très 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 petit ou gros comme ça, et on met un doigt sur ce qu'est la biodiversité. Parce qu'au sein d'un micro-habitat, vraiment, une bouse comme ça, on peut avoir une trentaine d'espèces et une cinquantaine d'individus, et la compétition n'est pas vraiment parce qu'ils se complètent en fait, donc c'est la biodiversité. Aujourd'hui en France, il y a déjà eu des projets de réintroduction, notamment de la grande faune ou de certains oiseaux. Donc aujourd'hui c'est encore assez accepté, on commence à le comprendre, mais sur les insectes ça a été assez peu fait. Donc on a aussi cette volonté un petit peu d'aller au-delà et de donner un petit coup de pouce à la nature en réintroduisant des espèces qui ont toute leur place ici, parce que c'est des espèces historiques qui ont tout leur sens dans ce projet, nous, de donner un peu plus de naturalité au milieu et de laisser faire la nature au maximum ensuite, une fois qu'on aura donné ce petit coup de pouce. Un suivi scientifique de l'espèce est en cours et va se poursuivre pendant plusieurs années. Nous vous tiendrons bien sûr informés de la réussite de la mission Laticolis.